Quelle belle journée, quel soleil! Je viens d'arriver à Mazion, au château Bergère-Brimaud, mais je crois que je suis passée devant Michel et Sébastien avec qui j'ai rendez-vous. Bon, bah j'y vais! Merci Sébastien, merci beaucoup de m'accueillir ici. Bienvenue à vous sur l'exploitation. Oui, on est jeunes tous les deux, on peut se tutoyer je pense. Si tu veux. Ok. Alors Sébastien, raconte-moi l'histoire de ce château. Alors mon grand-père a acheté ici en 81, Il a acheté 5 hectares. Ma mère est venue en 88, elle a acheté 11 hectares qu'ils ont replantés. D'accord. Et mon père par la suite a acheté aussi de la vigne en 90. De là, ils ont fait une association des trois exploitations. On est sur des sols argilo-calcaires, avec du sable aussi. Et on fait deux types de vins, un vin rouge et un vin blanc. Et alors, Bergère-Brimaud, ça vient d'où? Notre nom de famille, Brimaud. Ah oui. Et après, le nom d'une parcelle, qui est Bergère. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et donc, toi, tu as l'intention de reprendre après tout ça? Oui, j'ai l'intention de reprendre l'exploitation. Après mon BTS, vigne et vin. Ma sœur, qui après ses études reviendra avec moi en tant que commercialisation. Donc vous vous complétez en voilà, fait. Voilà, on se complète. Super. Ce que j'envisage, c'est de développer, mais à l'export. Ah, parce que ça n'existe pas encore? Non, pas encore. On n'est pas encore apte à faire l'export. D'accord. Moi, je serai plus sur la production avec peut-être de nouvelles gammes. On va voir, on n'y est pas encore. Et mais c'est bien de commencer à y penser. Voilà. Ma sœur, sur les pays asiatiques, Benelux, tout ce qui est Belgique, ouais, Luxembourg, Pays-Bas. Ah, vous allez voyager du coup. Ma sœur plutôt. Oh, tu pourras l'accompagner. Oui, je l'accompagnerai. Est-ce qu'il y a une autre particularité à ce château, à ce domaine? L'autre particularité maintenant, c'est que toute vigne qu'on arrache, depuis 2010, on les replante en Malbec. Pourquoi ce changement? On retrouve des arômes différents. Pour le goût et puis pour la couleur. Vu qu'on est dans une appellation d'assemblage, on ne peut pas mettre 100% d'un seul cépage. Mm-hmm. On l'a associé avec 2% de Merlot. On fait une préfermentation à froid, c'est-à-dire à 5 degrés avant macération pelliculaire. Oula! C'est quoi la macération pelliculaire? C'est le regroupement du jus et de la pellicule et des pépins pour apporter la couleur et les arômes qu'on recherche. Parce que tout est là-dedans. Tout est là-dedans, c'est donc ça. On le garde. Oui. D'accord. Donc là, on est en train de parler du rouge, en oui, fait. Oui, voilà, du rouge. Et en bouche, à quoi il ressemble? Fruits noirs, ouais. Un peu épicés. Mm-hmm. Ce qu'on peut retrouver avec du chocolat, on peut le boire avec du chocolat, avec du canard, du confit de canard ou du magret de canard. Pas mal ça, ça donne envie là. Bon bah je vais repartir maintenant, en tout cas merci beaucoup pour ton accueil. De rien, pas de soucis, tu peux revenir quand tu veux et puis bonne route. Merci et bonne chance pour les études et les futurs projets. Merci beaucoup. Salut. Salut. Sébastien est un tout jeune agriculteur, mais il a l'air de savoir de quoi il parle. Je reviendrai peut-être dans quelques années pour voir où tout ça en est. En attendant, on repart.